qui succédera à Angela Merkel? La réponse est aujourd'hui entre les mains des 60 millions d'électeurs allemands appelés aux urnes ce dimanche. Ils ont jusqu'à 18h pour élire leurs députés. Une bonne partie de ces électeurs et de ces électrices, comme Angela Merkel, ont choisi de voter par correspondance et ne se rendront donc pas dans les bureaux de vote. La prise en compte des différents votes pourrait d'ailleurs aboutir à ce que le nom du futur chancelier ou de la future chancelière ne soit pas connu dès ce soir. Parmi les prétendants en lice, on retrouve le social-démocrate, ici à l'image, et actuel ministre des Finances, Olaf Scholz. Il y a aussi l'héritier du camp de Madame Merkel, le conservateur Armin Laschet. Du côté des Verts, ce sera Annalena Baerbock. Après un été d'inondations meurtrières en Allemagne et le constat alarmant du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, quelles seront les conséquences sur ces élections? Réponse dans quelques heures. Seule certitude, le départ d'Angela Merkel.